On est reparti, alors là on a eu une première game Barbie MM2 soldée par Victoire de Barbie, moi très solide qui a enlevé les 4 stocks à MM2 une par une, vraiment en train de game assez clutch, hein, vraiment une game chacun. On est parti donc sur la game 2, joli shield et on va faire ça quand même. À la dance, on sent la Barbie qui a très joli saut. Jab jab, gentleman derrière. Oh, c'est dans le nerf qui est pas passé loin. Beaucoup de pression de la part de Barbie là. Et le nerf qui passe de la part de MM2. Ouh, le power shield de la Gazette Attack. C'est pas loin, ce shield grab qui est pas mal du tout. Barbie très patient, très patient. La stratégie de Wave Bomb qui est plutôt pas mal pour revenir rapidement. Ah, ça cherche beaucoup, ça cherche énormément là. Le back throw. Ok, joli hobby, fait extrêmement tôt de la part de Barbie pour justement pouvoir venir safe sur se faire frapper par MM2 et cette DI de la part de MM2 qui permet à Barbie de prendre une stock magnifique sur cette dash attack. Oh, ce side B qui a été arrêté très vite. Joli get up attack par-dessus. Le down smash, le wiki. Même de qui space avec le wave dash back pour éviter la game up attack. Situation tendue pour Barbie, tente le Falcon Kick, mais ce ne sera pas suffisant. Même de qui prend l'avantage. Oh, et ça passera. Même de qui traverse le terrain, du coup, ne sortira pas là-dessus. Ah, c'est Merci Shield Stab. Ou le bouclier qui l'a su trop tôt. Le nerf, et maintenant c'est en down tilt. Joli le up throw. Il va faire notre collègue Krapa. Le follow up était présent en tout cas. L'idée était présente. Ça se produit et le headshot suffira. MM2 qui prend une troisième stock sur Barbie. MM2 à 87%. Un bon genou bien placé permettrait à Barbie d'expédier une deuxième stock. Le down air. Le backer qui passe par-dessus, la tête d'MM2, up throw,
La patience. Mais ce ne sera pas suffisant. Oh joli, le light shield pour bien se protéger du nerf. Ça c'était très bien vu. Barbie qui est présent, qui est présent. L'esquive du Dance Smash. Oh, le dernier du nerf qui passe, qui permet même de reprendre son souffle. Le side B sera shieldé. Allez, sur Station. Même deux qui se dans le mauvais sens, qui permet à Barbie de reprendre un peu de souffle là. Le power shield du back du down air. Allez, sub, encore un pair. C'est nerf qui passe encore. Hein. Et le Falcon Kick pour récupérer le double saut. Et ce ne sera pas suffisant pour revenir. Mais ça fait une game partout. Barbie 1, MM2 1. On part sur la game 3 de ce match de poule. Et on part sur Yoshi's Story. Yoshi's Story est un terrain qui est très avantageux pour les Falco comme bien Falco, plein de raisons, hein, mobilité mais aussi Blast Zone, parce que bah, du coup les Blast Zones sont très très proches hein, sur les côtés de Yoshi's Story, c'est très bien. Le qui commence avec un petit combo de fer là. Le nerf qui passe aussi. Joli fadeaway de la part de Barbie. Le side B dans l'autre sens. Ce sera un petit coup qui sera décidé là-dessus. Le gentleman suivi d'un power slash va en passer sur le shield. Et les blast zones de Yoshi sont très proches, ils permettent à MM2 de prendre une première stock là-dessus. Le Falcon Kick, un peu ballsy pour revenir, mais ça passe. Backer. Le premier coup de nerf passe. Pas le deuxième. Le drap qui est obtenu. Oh, et le nid qui passera avant même que M2 ait tenté de faire son fort à l'air. Permet à Barbie de prendre une stockée. Le lobby qui permettra. Non, Randall qui ne sera pas non plus. Ah là là, Randall qui était pas loin, qui était de l'autre côté à ce moment-là. Joli, Barbie qui est resté prise là-dessus. Short up fer de M2 sont très redoutables hein, sur les tech ratés. La tech in place qui permet à Barbie de réagir très très vite. Gentleman, lui qui est de l'autre côté. La dash attack, il va-t-il y avoir une conversion? La gagne d'attaque qui touche encore. Et le down smash qui était vraiment pas loin. Peut-être chargé un peu trop fort. Ouh là 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 là. Barbie qui était très très rapidement présent sur la take away. Le spot obtenu. Ouh. Le Falcon Punch qui a peut-être donné des surfroids à M2. Hein, parce que là on est ici. Si on se foire un tout petit peu sur son invincibilité, on se le prend. Le down air, pas suffisant, la tech qui a été faite et le backstop qui suffira en revanche. Barbie sur la dernière stock de ce set. Mais un M2 à 125%, 126%, là, Gentleman qui met à 140%. 140%, un très très bon chiffre, hein. Beaucoup de souvenirs, 140%. 147 maintenant. On tente encore le Falcon Punch. Le grab qui est obtenu, les mascas qui bloquent un petit peu M2 qui l'empêche de partir trop loin. La dash attack suivi du nerf. Oh, ce grab qui whiff. Le nerf qui est présent. Barbie qui sort sur ce petit side B, mais c'est pas grave, il reprend. Le side smash qui réussit à faire reculer M2 là. Une situation tant deux où les deux étaient dos à dos. Là c'est chaud. Barbie à 99% qui ne sort pas sur ce back throw, le fort à air qui n'est toujours pas suffisant non plus. Ce Falcon Kick qui lui permet de prendre la stock et le taunt
Mais Barbie, Barbie est là, il tourne mais bien sûr mes chemises en mousse. Allez mon gars, là, il te reste encore deux stocks, ramène-toi là, je vais te prendre tes deux stocks. Oh mon dieu, Barbie, Barbie qui sent plus, qui est un petit fantôme là. Barbie, il est chaud. MM2, je fais un petit. Vous m'excusez, je me désaltère parce que là c'est tendu. Pas mal. Dans throw, le down tilt, oh le down air et le short of air. Waouh. Oh là là, cette fin de game était tellement clutch. Et bien franchement, très très beau jeu de la part de MM2 et Barbie. Waouh. Waouh. Alors là. Du très très bon jeu. Franchement, absolument pas déçu. Et nous sommes à peu près sur la fin des poules. Donc ce que je vais faire, c'est que...